Ah mais Jean-Pierre, il est où? Non, pas au derrière. Est-ce que quelqu'un peut le chanter? Il est la finale de Monaco. Attention. Attention, voilà, parfait. Bonsoir, bonjour plutôt, excusez-moi, j'ai pas tellement l'habitude de jouer dans la journée en fait, c'est pour ça que je suis décalée. Bonjour Tresse. Bonjour. Ici l'orchestre poétique d'avant-guerre, tout en improvisation pour vous aujourd'hui, messieurs, dames. Pour commencer notre petite intervention musicale, nous allons commencer par lire des textes qui ont été écrits la semaine dernière lors d'un atelier d'écriture à la médiathèque de Tresse. Donc on voudrait remercier tous les gens qui ont participé à l'atelier d'écriture. Il y avait des enfants aussi, parce que j'ai envoyé des textes d'enfants. Donc merci aussi aux enfants d'avoir participé à cet atelier. Merci à Pauline et Marie-Christine de la médiathèque de Tresse d'avoir mis en place cet atelier. Et qui amène un élan culturel dans ces vies de grenier. On va aussi remercier la mairie de nous prêter le matériel, d'offrir le logo, de mettre à disposition un espace pour faire du bazar. Dans ce big bazar du vide-grenier. Donc je vais commencer par vous lire les textes qui ont été écrits par les personnes qui ont participé donc à l'atelier de la médiathèque. Alors je lirai peut-être pas tout parce que certains sont très très longs. Et des gens qui ont écrit ces textes se trouvent là dans le public et tout ça, j'aimerais bien qu'à l'occasion, après le concert, on se rencontre et on parle un petit peu. Voilà, parce que j'aimerais bien savoir c'est qui les gens qui ont écrit ces textes qui m'ont été envoyés de façon anonyme. Le premier texte s'appelle La gare quand la mobilité se fige. J'arrive à la gare avec ma valise à roulettes et je croise un flot continu de valises à roulettes, des rapides, des lentes, des bruyantes, des silencieuses. Certaines sont portées sur le dos par la poignée, lourdes, légères, mais là où tout le monde est à égalité, c'est dans l'escalier. Ah non, car là, c'est le voyageur qui est au premier plan, car sa façon de porter sa valise le personnifie. Il suscite diverses pensées, la rapidité, l'entraide, l'agressivité, la politesse, l'impatience. Enfin, j'arrive sur le quai, je monte dans le train, je m'assois côté vitre et dans le sens du voyage, et j'attends. Ça défile dans le couloir et les valises se hissent au-dessus des têtes. Mon voisin est plongé dans son journal, mes voisines papotent. Je sors mon livre. Ça y est. Le train démarre doucement, laissant le train d'à côté sur place. Eh bien non, c'est le contraire. C'est le train d'à côté qui est parti. Et moi, pour l'attente. Voilà à peine 5 minutes que je suis assise sur ce banc. Je suis à la gare et je l'attends avec impatience. Je suis tellement impatiente que le temps me semble rallongé. Tout se bouscule autour de moi, les trains défilent, déversant un flot de passagers. Les gens se retrouvent, se séparent, rient, pleurent, parlent, crient. Le marchand ambulant ne sait plus où donner de la tête. Café, croissant, moi je veux une chocolatine, dit une femme. Je suis statufiée sur ce banc, ma tête se tourne, 5 minutes c'est tout. 5 minutes c'est tout. 5 minutes. Une dame s'assoit à côté de moi, mon bébé pleure. Elle ne me voit pas, je fais partie du décor invisible. Et si elle ne me trouvait pas? Mon regard se tourne, une appréhension, une sensation, une voix, elle est là. Le fait d'être invisible se dissipe, tout ralentit, les gens disparaissent, le marchand ambulant n'est plus là. Je peux à nouveau bouger pour la retrouver, me lever et la prendre dans mes bras, puis... La montre reprend son rythme, puis les gens reviennent, le marchand aussi, tout est bien, elle me voit, j'existe. Merci pour cette personne qui a écrit ce texte, s'il vous plaît. Un autre extrait d'un texte qui s'appelle « Clic-clac, photo-voyage, photo d'un ou d'une, photo-cérémonie, rentrée ». Ça, c'est le titre.
Mon fiancé, amoureux, souriant, beau, aimé, gentil, attentionné, marrant, voire même clown, attentif et serein. Le cœur qui bat de joie, il nous guide chaque jour, le cœur des hommes, le cœur des hommes. Une, mais elles sont deux. L'une est blonde, l'autre aussi. L'une est ma sœur, l'autre aussi. J'en aime une plus que l'autre, car une est moins ma sœur que l'autre. Une famille. Qu'y a-t-il de plus vrai, de plus solide, de plus grand ? Moi. Majestueux, impressionnant, 500 ans, il trône devant ce petit resto si majestueux et à ses pieds un petit tronc où s'asseoir et rêver. Je suis le chêne de Baron, un hibou ou une chouette, une grosse bête sur la branche devant ma fenêtre, plein de plumes, plein de poils. Non, ce n'est pas un chat, je fais un bruit. Madame tourne la tête et me regarde. Mon fils qui a disparu depuis 7 jours, doux, souriant, spontané, ouvert, aimable, que je vois plus qu'en souvenir. Des rentrées scolaires, j'en suis à ma trentaine. L'été est fini, tout le monde est là. Les tenues sont encore estivales, les pieds encore à l'aise, le teint bronzé. Et quoi de neuf ? Rien chez les adultes. The same old song. Il faut attendre la rentrée, la vraie rentrée, celle avec les élèves, beaucoup plus vivante, beaucoup plus surprenante. S'il vous plaît. Un autre texte de je ne sais donc toujours pas qui s'appelle « Par la fenêtre défilent mes souvenirs ». Par la fenêtre de mes souvenirs me reste gravé mon premier coiffeur. Il s'appelait Madame et Monsieur Rampignon et travaillait en couple sans eau courante dans le balcon, dans le salon. Par la fenêtre de mes souvenirs reste gravée la douleur de ma première rencontre avec un insecte, la piqûre de la guêpe. Aïe, 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 aïe. Par la fenêtre de mes souvenirs reste gravé un accident. Une hache sur le capot de la voiture. Spectaculaire, mais pas de mal, ni à la vache, ni au passager. Ah, c'était une vache, il manquait un V. J'imaginais la hache sur le capot, j'ai vu un truc horrible. Non, ce n'était qu'une vache et non pas une hache. Ouf. Et en plus, ça finit bien, puisque la vache n'a rien, et visiblement le monsieur non plus, ou la dame. Par la fenêtre de mes souvenirs, elle était là, je l'ai connue de suite. C'était elle, et pas une autre. Un choc, un coup de foudre pour une maison. Pourtant, elle était sévère, sombre à l'intérieur, et finalement peu à mon goût. Saurait-elle m'accueillir ? Saurais-je m'accueillir ?